Abonnez-vous massivement sur Aïcha Ofoko Network. Moi, j'ai prié pour une femme qui a fait 10 ans dans le mariage avec son mari Babo Tarate. Sauf que nous avons dit 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 que abonnez-vous massivement sur Aïcha Ofoko Network. Papa Bikuta, il me disait Pumbolo, Pumbolo, il ne faut jamais être complexé dans la vie. Il me disait ni ne tombe jamais dans le piège des complexes, ni de supériorité, ni d'infériorité. Parce qu'il ajoutait Pumbolo, complexe est une maladie qui ne se guérit pas. Abonnez-vous massivement sur Aïcha Ofoko Network. Nous avons beaucoup de complexes. Dans le sens où ils connaissent les choses, mais ils ne veulent pas les dire. Ouais. Mais il y a un principe. Salon Franck, le meilleur. Salon Franck de Bruxelles. Je fais appel à vous, le grand homme, le grand dame, ainsi que les enfants. Venez visiter le spécialiste de la coiffure, Salon Franck, le meilleur de Bruxelles. 30 ans d'expérience. Chez nous, c'est le professionnalisme, la classe et la qualité. Salon Franck, le meilleur. Salon Franck de Bruxelles. Mwena linga kamo susu te utana eba verite. Nalinga kamo susu te utana eba verite. Salon Franck, le meilleur. Salon Franck de Bruxelles. Avec cette carte de fidélité, vous avez droit à une coupe gratuite. Salon Franck, le meilleur de Bruxelles. Chez nous, c'est le professionnalisme, la qualité et la classe. Salon Franck de Bruxelles. Nalinga kamo susu te utana eba verite. Salon Franck. Abonnez-vous massivement sur Aïcha Ofoko Network. Ba mama ya poto pe ya Kishasa, ba vre chéri, ba oyo ba lingaka bonzenga ya nzoto na bango, pe ya suki na bango, esika ezaka kase moko na Kishasa. Salon l'oiseau d'or chez Mama Christelle. Awa soki papa omemi mama, ba bongisiye suki, ba salye manzaka, ba latisiye, tango akobima, abongwani angelou. Na salon l'oiseau d'or, okokuta ba service yele lokola, parfumé. Vente à bas produits cosmétiques, vente à bas perruques, vente à bas produits à souki, à solo, peu d'accessoires et à beauté. Et bon, pour la bino ba marié, tobo sani binote, location et à voile, peu collatis à ba marié, kaka nenge tomo la ranabami qu'il y a poto. Make-up koutou, kolobatin, peu bas service moussousou et belé. Pona koko mala salon l'oiseau d'or, adresse Ezaka Kamoko. Avenue Sergent Moquet, numéro 16, référence à Saint-Neuf. Na salon l'oiseau d'or chez Mama Christelle, Sokyo Koti Kao, Okobima Oke. Mbote bandeko batali ya network, mbote bat balingara biso, ba basara biso confiance boza ebele. Na bandara na bino pa mbate parce que bino nde boaka ya biso, bino nde bo benga ka biso, bino nde pesa biso conseil. Bino nde soki botali bo sipeli bo komara commentaire akitoko, alors foto bandana bino. Na Kinshasa mbote, na kataka kombe chez moi, mbote, na poto, na partout mbote. Tout à l'heure, je suis Aïcha Ofoko Network, je suis la championne pour les estimes. Donc, les gens vont monter un bilan de 10. Donc, moi, je suis un peu plus de temps. Et pourquoi? Parce que je suis une image qui circule, parce qu'il y a des gens qui sont passés à Moutombo, mais je ne sais pas si je suis un peu plus de temps.
lekina ba moko azaka malamo za pe mosai na nzambe Jean et Sibiso avra adorateur baza batu baza kwa adorer le père en esprit et en vérité et moi je confirme kaza avra adorateur parce que c'est comment adorer son père ce qui pas qui takana seko bine na nzambe le kola David toye ba ngolelo on a pe simbote bonsoir prophète Mbulu bonsoir Okoko boni ça va Aisha moto na nzambe réel plaisir boni ça va Kimezali Kimezali boni ba séjour le kinenge nini. Ouais, ma séjour elle est bien, surtout pour le travail. Elle va être au salon à Kinshasa. On a été au salon 10 mois, juste pour le travail. On a beaucoup travaillé à fond. J'étais tout le temps à l'église pratiquement pendant 10 mois, chaque jour. Après, en gros, on a zongé pour la guerre de Moké. On en a qui ont passé aussi à Noël parce qu'à cause, il y a ma mission, il y a sacrifice comme ça là. La salle au moins, je crois, bah, 4 ou 5 Noël. On a passé à mon abanade. Oh, oui. Encore un poteau. Alors, dans le moment, je m'étais décidé qu'à Néo, il faut passer à Noël. Et on a Zongaki. Mais Dieu a fait grâce aussi, malgré Nayaki. Oui, mais c'était pour une mission très spéciale. Ok. Nous avons pas souvenir l'équipe bien. Ok. Donc, on a Zonga déjà, lobby. J'ai un travail à Paris. On était en Orléans, donc vendredi, non samedi, demain c'est le 11 je pense. Le 11, oui. Le 11, on va aller 11. Et puis le travail, je vais commencer samedi le 13, dimanche le 14. Après lundi, on a pu moquer. Et le mardi, je rejoins ma famille. Ah ok, c'est très bien. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Merci Pumbu, le monseigneur Nkolo. Mais, Ngaï, rappelez-moi Songi, oui bien. Nazoka. Nakota Rapenza. Ce qui me semble à ramener n'est pas miquet, mais l'on a rassuré, on a bien ramené les années bonzo. On a un peu de temps à tenir mon ébé qui a ramené. N'a moins n'a pas réseaux sociaux, ma photo n'est pas circulée un peu partout. N'a moins ni papa, Léopold Mutombo. Mon papa, tu as l'image d'un papa Léopold? Oui, je vis, je vis. Il y a 5 ans passés. Papa Léopold, il s'est dit, maman, Aïcha, si qu'on est dans la zone, il y a c'est qui vraiment béni il y a 5 ans passé. Mais dans mon lien, non, un très bon papa. Un papa, vous savez, quand je parle de cet homme, je m'incline. L'apôtre Léopold, papa surnaturel, c'est un homme à un niveau très supérieur, très élevé, à des dimensions. Oyoyo, l'élo nambo kanabiso. Baza très rare. Ok. Très rare. Et quand je cite son nom, donc, si c'était à l'époque quand le grand rabbin, autant avec l'écriture, Bazo le Bakoma Nzambe, Bakomi Place, Bazo le Bakoma Yahweh, il est laissé, il avait le mains 7 fois à Bazo Nyal Bakomi. Donc, pour dire que c'est un homme à qui j'ai beaucoup de révérence pour lui. Amen. C'est un père. Et quand je dis père, c'est au vrai sens du mot père. Et Naïe, nous avons des repères. Amen. Et l'avenir est assuré. Merci beaucoup. Mais les solons, Isaac, tout le monde est photo, ils ont circulé dans les réseaux sociaux. Pasteur Denis, c'est un pasteur, un apôtre. Léopold Mutombo Kalombo. Tout le monde est plus léki nabango, Zawana, la photo ango, tout ça. Nakati Bayaya, il se le rôle nous a joué na Katiwana. Est-ce que c'était vraiment important aux Alawana? Bon, au moins ce qui dans le bina le banassons net il y a ba biso bantu. Tozana eloko mo ba bantu to loba ke. Moi na moke. Abeta Kambonda. Abeta Kambonda ba kolope ba. Mais notre grand artiste Oyo Yakufa. Je salue la mémoire papa Wemba. Il a dit, il avait ajouté quelque chose. Moi le moqué à Beta Rambonda, Bakolo, Bazobina, pour Bakolo ne va s'aider. Balaki Saïm Bonda. Donc sur l'action, c'est là malam au moins nous encadre bien. C'est comme aussi Jésus a dit, un disciple n'est pas plus grand que son maître, mais un disciple accompli est comme son maître. Alors, c'était important, pas pour moi, mais c'est Dieu qui a voulu. En fait, prophète Denis Lessi, moi je dis toujours quand je parle de lui, Naza n'a pas aspect belé,
que je peux parler de cet homme de Dieu. Mm. Et quand je peux parler de cet homme de Dieu, il est ici. Tout le monde se dit que je peux comprendre pourquoi il dit ça. Parce que nous avons une politique chez nous. Les gens ne fassent pas des études approfondies sur les gens. C'est ça. Mais ils préfèrent qu'on ait la moutoune. Je peux te dire quelque chose en révélant au Léon. Vraiment. Prophète Daniel, ce que vous voyez là, moi, John Percy, na fanda na salon à Bisson, na fanda na salon na zone na la télé. Je le regardais, j'étais seul. J'avais des prières dans sa dépense zambé. Et prophète Daniel, il parlait et je sentis que c'est Dieu qui me parlait au travers de lui. Par une voix prophétique très approfondie. Amen. Je parle ici de 98-99, avant même Mme Boko. Il a parlé, il a détaillé, comme je le suivais, sur mon petit écran, et il a prié. Comme j'avais senti qu'il parlait, il m'est parlé, et l'esprit m'a convaincu, je suis allé le voir. Et c'était au moment que j'étais en train de préparer pour ma voyage parce que Nazan est un ancien élève à l'école Massamba. Et tellement ça m'a fait grâce, il y a un Zamaïle, il y a autant de bien lauréat de l'école. Papa Massamba a couffé, papa on a rebossé la qualité, a sélectionné Gibiso pour tout que le temps dans la poteau. Ah ok. Papa Massamba. Papa Massamba. A Zubano Bazaki brillant à l'école. Il faut que je continue mes études dans le poteau. Il est moi fouté de Bino. Non, non, la foutu, il t'a passé son opportunité dans l'université, ils avaient connecté. Dans ma samba. Dans ma samba. Ok. Alors, à ça, il y a des manches, il y a des parents qui foutent dans le poteau. Alors, c'était au moment où j'attendais, il y avait quelques difficultés, j'attendais le visa et je suivais l'écran. Le prophète Daniel ici qui parlait. Et la prophétisait sur moi. Il a dû être dit, j'étais convaincu. J'ai senti un bouillonnement dans mon cœur. C'est comme le disciple de Maïs, Bami Lobé, Babi. Oh, comment t'as eu ce moto à expliquer sur ma cambo? Il y a des bouillonnements qui sont dans la parce que quand Dieu te parle, il y aura une conviction en toi. Amen. Et tu sentiras ce Dieu. Pas, je ne parle pas des émotions, je ne parle pas des sentiments, mais je parle de la conviction. J'avais senti Dieu me parler. Je suis allé moi-même le chercher et de, quand je suis arrivé, automatiquement, je suis devenu partenaire de ce ministère. C'est-à-dire, tout ce que je préparais, j'ai commencé, je me suis plongé dans la foi, dans ce qu'il disait. Amen. Bien que je connaissais le Seigneur, parce qu'il y a la botamine à vos amis, depuis la naissance à la maison, je suis un ancien malaïka, il y a fait pas bon de malam, il y a une chorale. Donc, nous amènes à Koutine, nous amènes à Ndako. Amen. Donc, il y a un bien à Ndako aussi. Nous amènes à Ndako. Fanatique, c'est-à-dire je l'ai aimé. Donc, en fait, quand je parle du prophète Daniel, je l'aime. Est-ce que vous comprenez? Très bien. Et je n'ai pas honte de le dire. Parce que je le connais dans ma angle, dans ma spot, que je vais peut-être dire tout à l'heure. Parce que beaucoup de gens, quand ils regardent Daniel, ils pensent que c'est un homme de la rue. C'est un aventurier. C'est un aventurier. Non, c'est pas ça. Est-ce que vous savez que Joseph, son père, l'avait fait une tunique à plusieurs couleurs? C'est-à-dire, ce sont des différentes grâces. Il faut comprendre l'homme avec quelle tunique a coopéré dans la mémoire. Mais n'oubliez pas aussi qu'avec les émotions à bon moto, on peut avoir certaines. Mais cela n'enlève pas la grâce de Dieu. L'appel et le nom de Dieu sont without reproach. Without repentance, c'est-à-dire Dieu ne se retire pas et c'est don et l'appel qu'il donne à quelqu'un. Amen. Alors, je suis devenu directement partenaire, je peux dire, de ce ministère. Au point que je me souviens un jour, il prêchait tellement, j'étais touché, j'ai tout enlevé que j'avais. Tout l'argent, j'ai enlevé les habitudes qui me coûtaient cher.
les chaussures. J'ai aimé tellement la porte. Je suis rentré pieds nus. Oui, je sais que j'ai dit vérifier, mais je crois que le prophète Denis, il est très fort dans l'archive, sauf le cœur de l'archive dans mon nom. Alors je me disais, comment Dieu peut utiliser un homme comme ça? Vous savez, nous avons un problème. Hein? Problème à Congo, j'ai compris que beaucoup de gens vivent tellement là-bas, complexes. Oui, bah, t'es. Complexe de supériorité, complexe d'infériorité. Oui, bah, t'es. Mais j'ai eu la grâce. Papa Moro n'a rien interné à Massamba. Je croyais, je salue sa mémoire, il est mort. C'est Papa Bikuta. Papa Bikuta, il me disait Pumbolo, Pumbolo, il ne faut jamais être complexé dans la vie. Il me disait ni ne tombe jamais dans le piège des complexes, ni de supériorité, ni d'infériorité. Parce qu'il ajoutait Pumbolo. Complexe, c'est une maladie qui ne se guérit pas. Nous avons beaucoup de complexés, dans le sens où ils connaissent les choses, mais ils ne veulent pas les dire. Ouais. Amatisi Moutouana. Mais il y a un principe. Jean a dit que je diminue. Il est amata. Quand vous comprenez l'intérêt du royaume, nous avons des gens. Laisse-moi parler dans les sens comme ça. Okay. Et je sais de quoi je parle, parce que dans ces choses, je ne suis pas un parvenu, ou bien Moutouya Lobby. Je suis entouré dans le monde évangélique pour tenir des grandes croisades d'évangélisation à Isha en 1999, 2000, 2001. C'est là où je réunissais de grandes foules, je faisais. Vous comprenez? Et il y a, je crois, 2006 ou 2005, on a commencé avec des panneaux publicitaires pour prêcher l'évangile. À l'époque, nos vieux, nos papas, ils faisaient de... Quand les panneaux, on dessinait. Mais nous, on a amené des panneaux que vous voyez aujourd'hui. Ok. Oui. Et même, na Lingala Fassi, quand c'était fort, na Nani, Alani, Zacharie avait parlé de ça, le mot-là. C'est-à-dire que... il y a des gens qui connaissent l'histoire, ils étouffent l'histoire, ils ne veulent pas dire. Pourtant, quand tu tais la vérité, ça va bien. Aujourd'hui, il y a des grands serviteurs de Dieu que je respecte. Les gens qui ont combattu, ils ont tombé. Parce que le problème des animaux, c'est que nous avons des grands serviteurs de Dieu qui venaient, par exemple, dans mes réunions, je faisais. Sans pourtant être invité. Personnellement, Penaïbite, mais il est grand, il est influent, il a une grande église. Même quand je faisais des réunions en ville ici, quand c'était Cinépolis en 2006, je fais une action ciel ouvert. Quand je déclarais ciel ouvert, Datouane Koki, Botoko Midi, Mouvou, les Bétatines, si ça commande. Il y avait beaucoup de serviteurs de Dieu qui venaient. Vous comprenez? Et il y a d'autres même qui venaient. Ils viennent, ils te prennent à l'aéroport, calmement là. Dès aujourd'hui, quand Dieu les a montrés, c'est que je peux vous bénir, je peux vous amener aussi en Europe. Ces gens-là, ils ignorent, ou bien, pas ignorer, mais ils ne veulent pas se manifester. Ils sont un peu comme Nicodème. Quand Nicodème est venu vers le Seigneur, il n'a pas dit, maître, je sais que tu es un docteur venant du ciel. Il a dit, maître, nous savons. C'est-à-dire, nous avons eu Monika Anga. Mais, bisounos, tout ce qu'il y a, c'est moi, je peux dire, il y a beaucoup de gens qui peuvent parler, même des serviteurs, qui peuvent dénigrer, parler mal du prophète Lesi. Lesi Azala, inspiration à Bango. Je te dis la vérité. Laisse inspirer Bango, Ningani Moussa dans un jeune, au côté de mon cortège à ma voiture, Ningani Moussa dans un jeune, au côté de la poutre à côté, Ningani Moussa dans un jeune, au cause d'une très grande influence. On a assisté ici dans le palais du peuple. Le prophète a fait une veille là-bas, mais le veillé, Nani, le palais du peuple a failli. Moi, j'étais présent. Et si on a l'ingénieur motorim, Togolanda, nous tous ont tourné la main. Problème en est que comme nous voulons étouffer et combattre le roi, c'est là où beaucoup de problèmes sont là, parce qu'on ne combat pas le roi. Donc vous êtes un témoignage vivant du prophète Denis Lesi. Bien sûr, c'est un homme de Dieu. Je vais te donner encore un autre témoignage. Et l'écu à la Nina Nassima. L'écu à la Nina Nassima. Au moment où je parle, il est à Lyon en France. Il s'appelle Robert Pumbolo, champion Nzuba immortel. Parce que c'est un grand sportif. Donc
accueilli na Vélodrome. Na stade Vélodrome Stade Kitambo. Vélodrome. Ya Kitambo. Et prophète na zo beloko sur moi na bibi ba image yo gardaka. Attendez mission mo balansan. Na yina stade prophète afandi. Abi atmosphère stade ningo na dinga za na zo kango ya bongote. Mais sinon je sais, moi je sais que tu es avec toi. J'ai dit OK d'accord, il y a pas de problème. Moi je vais monter t'introduire. Alors l'exemple pe mingi na 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 je suis monté. Donc on a eu le micro, je commençais à booster son onction. L'onction, on la provoque en fait. L'onction, c'est lui, il y a des fois, au moins il m'a foutu. Hein? M'a foutu quoi ça là maman. Au tien avec Kalungu. Au zoom bis au tien. Et au ça la chololote. Mais m'a foutu au tien avec Kalungu. Ce que chauffer, en vrai, comme il prêt au tien. Et ça dit chololo. Voilà. L'onction peut être là, mais il y a des moments où l'onction aime être boostée. Alors moi, je savais, alors je suis monté, j'ai commencé à parler. C'est Jean Batobaï, pour nous amener à Batobaï, démontrer Nzambé. Je vous dis, quand je parlais, le Jean était rempli d'esprit. Quand le prophète a télémi, le Jean était rempli de l'esprit. Alors, quand il a commencé à opérer sous l'onction, je déteste. Parce que quand tu es quelqu'un de l'onction, l'onction a une odeur, l'onction a un caractère, l'onction a une présence. Si tu connais l'onction, tu sais quelque part. Alors, je vais te dire quelque chose. John Percy, comme je suis là, moi je ne suis pas impressionné quand un pasteur prie, ça me dit absolument rien. La première des choses que moi je cherche, c'est l'atmosphère. Et cette atmosphère, c'est ce que même j'ai senti quand je suis monté à l'estrade de notre père, l'apôtre Léopold. Quand j'étais avec lui sur un confinement, ce papa-là, il dégage quelque chose que je dis aux gens, vous rêvez, il dégage quelque chose. L'apôtre Léopold. Oh. Attends, je vais revenir là, on a pour parler de ce père-là. Alors j'ai senti que l'onction était là. J'ai dit à mon petit frère, l'homme de Dieu est sous l'onction maintenant. Et moi, j'ai dit là, je dis, prends cet onction, prends cet argent, va mettre entre tes mains. Connecte-toi, honore cette onction-là. Parce que ce n'est pas seulement scellé, comme j'ai dit, que là, tu donnes l'offrande, tu scelles. Toute parole de Dieu est déjà scellée. Quand la parole de Dieu sort, les bénédictions sont scellées à cette parole-là. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'on fait? Nous honorons la parole qui sort. L'abbé va honorer cette onction. Et quand il est parti, il a mis l'onction. Le prophète, sans connaître ce que nous sommes en train de faire, il le regarde par une parole prophétique. Il lui dit, toi, parce que tu as fait ça, Dieu dit, tu es en train de partir en France. Regarde, il y a ceci, il a déteint les choses. Aujourd'hui, il est très béni, mon jeune frère. Ah. Je salue sa femme, Attila, avec ses enfants. On reconnaît un prophète par l'accomplissement de son message. Tout à fait. Alors, j'ai beaucoup de paroles prophétiques de l'homme de Dieu qui se sont accomplies. Même quand il venait à Londres, je l'invitais à l'église. Il y a beaucoup de gens qui ont des témoignages. Et jusqu'à présent, il y a même à Tabatoubazo qui comprend des tuniques, couleurs à salinité, dans moi, Mikolo, qui ne comprennent pas quelle casquette on a. Mais des choses qu'il a dit, pratiquement, il y a ces jours, et ça, les manèges, voilà. Attends, le bilan, on a le bilan, le bilan, on a l'aventure, le bilan, on a l'aventure. Mais tout ce qu'il dit. Il a expliqué ça aujourd'hui dans l'émission de Sané tout à l'heure. Dieu de foi, à la manière de la sel à Batou. C'est ça. Et les voix de Dieu sont insondables. Amen. Les voix de Dieu sont insondables. Et je dis, personne n'a le monopole de Dieu. Pour savoir que yo, le col à yo, au sel à Ranzambé, comment on dit, na calme, sur comment tout le monde est comme ça. Donc Dieu utilise chacun à sa manière. Et puis, Nani, tu sais, pour clore à cela, un jour, un prophète attendait Dieu. Ah, besoin mon Anzam. Amoni, mon pépé, ma casse. Bourou, t'amoni, mon pépé, elle dit, ah. Nzama na mopepo. Pourquoi? Parce que autrefois, Nzama visita ke na mopepe. Mais atali boye Nzama zaide. Amoni moto, parce que voilà ki sini na ye. Tant amoni moto, binzama na moto. Mais atala ben Nzama zaide. Mais tant amoni, il y avait un vent doux. Et loko Nzama zaide, mais le bongo ta kota la boye, Dieu était là. Ça veut dire Dieu n'a pas une seule forme pour utiliser quelqu'un. Dieu a des temps où il peut exposer son serviteur d'une autre manière. Ce sont des voix de Dieu. Ok. Merci beaucoup. À ce qui concerne le prophète Denis Lessi, je suis venu à mon tour, je suis venu à mon tour, je suis venu à mon tour,
a mission nanga abi prophète Denis Lessi a pesa nga prophétie a ipsi nga nzamba zo loba nanga yo na zo mono baleine na zo mono ndanbisi na kata ba baleine ozana mke mais ozana ba tuba entouré yo ba comme mon grandeur il y en a beaucoup alobi quand je regarde l'homme de Dieu natra ke na miso ba tuba ta elete et aujourd'hui j'ai tourné une émission avec le prophète Denis Lessi mais na seka qui est à lobby ma cambo sur moi et moi je me dis comment mon toi peut ça m'a ramené des détails c'est aujourd'hui que j'ai compris na vie même toi qui est ma mission en gros hein et ça nous bazo beta biso mo peno za conscient au même toi va solo na auto nini donc il a dit ces choses où est solo c'est pourquoi malheur aux journalistes au baza kawana pona au détruit ma serviteur serviteur oui chercher à pousser l'homme de Dieu na ba polémique nous soyons et ça c'est mais il doit faire beaucoup d'attention parce que on ne combat pas les rois OK on ne combat pas les rois. Même dans la même chronologie d'idées, moi j'ai voyagé ici toujours qu'il y a des gens. Je suis en bouteille avec ma casse de roulage, je suis en bateau. Et mon chauffeur avait fait une erreur. Je suis en train de dire que je suis un prophète. Je suis en train de faire des choses. Je suis en train de faire des choses. Je suis en train de faire Faiba sale souvenir noir na bika likolo ya prophète Denis Lessi. Oh. Oui, alors je dis ce qui est vrai nzamba zokana. Na ebisa e moko imwa e bimote. Abina témoigné té na kenoko te mandé mais na bika likona e. Ya bi angola sono ki musale nzambe a respecter makasi. Donc ça rencontre apôtre Léo Paul. Oui. Dozana pe ma futa pe zola takaka. Poza ki na ba grand. Lekyo azui lekyo baye bazo solola ye wana mwana mayela zakaso ata mama muninga zo pesa conseil ya chemo litoite siko lelo nzambe grâce wana na l'homme de Dieu l'homme de Tumbishai kabo Tumbishai et mwana zo mafuta tina bi non te nzambe a mystique partout mozaki na bango pepe salami kitoko comment est-ce qu'il est né lui? Bon, l'apôtre Papa Léopold. Fossi Zara, Papa Léopold Mutombo Kalombo. Kalombo. Kassi nous soumet à ma soeur. Papa Léopold Mutombo Kalombo. Quand j'ai dit, tout à l'heure, j'avais dit, si je parle de lui, je m'incline à cause de l'autorité et de la supériorité. On a appelé la Katamboko. Pour moi, laisse-je dire quelque chose. Moi, j'ai beaucoup plus évolué à l'étranger, en Angleterre, donc dans le monde anglophone. L'évangile est coté vraiment ma casse, et puis le genre, baso mon ango d'une manière autre que biso, ma conception de Zanawa. Tu as rencontré Dieu, tu as une grâce, tu as une grâce en Asie, papa est anglophone. Au moins, tu as 33 ans. Il adore son Dieu, Obi et il va se réinterpréter à un millionnaire, à un bon et belé, à un bon on appelle ses panzami. Ce qu'on a prière les amis, à vous semble en anglais, mais mon tonton interprète en français. Seigneur, moi je prie Dieu que mon fût à un face nanga à l'écanga. Son PC n'a 10 ya zo et belé. Il te dit, je t'ai béni, mais quand tu vas le voir, oh ya pambolio, le bin non, est-ce qu'il y a bonne sanité? Donc c'est là où que j'ai compris que anglophone ba yebi penza. C'est quoi ngai na ba milieu onza makotsinga. Onza makotsinga na milieu ya ba prophète minene. Zama mena kuna a partir d'Angleterre ba pasteur minene. Oyoyo, Dieu a utilisé, Dieu utilise jusqu'à présent. Alors et puis na goya na ba monde d'Afrique. Nous sommes en connexion avec de grands serviteurs de Dieu au hasard reconnu d'une manière internationale. Prière n'a à chaque jour. C'était Seigneur, fais-nous grâce. Et moi j'avais tendance, vous savez, j'écoutais tout ce grand-là, Nazo Kavango. Je cherchais à être avec eux, de connexion. Dieu m'a fait grâce. Je publie beaucoup de photos avec de grands prophètes de ce monde, de sous d'autres cieux. Alors je disais, dans mon pays. Parce que papa le Paul, moi, tout le monde a dit qu'on l'a mis à la prédication il y a très longtemps.
Il y a même ceux de Vannes, je le rappelle, certaines protections. Papa, regarde, au théâtre loco, tout ça. Ah, c'est gamin, toi, tu as la mémoire. Bah, je dis, voilà. Quand j'ai vu ce que Dieu n'a pas été, parce que le plus important, on n'a pas besoin des hommes qui avaient Dieu et, ou qui ont fait des choses avec Dieu. Mais nous avons besoin des gens qui ont Dieu jusqu'à maintenant. C'est-à-dire, Bazoko là, thank you Jesus. Bato Bazoko là, Nanzambe, Bazoko là, Nabile Mwanzambe, Bazoko là, Namirak Nanzambe, Bazoko là, Nagloire Nanzambe. Parce que c'est ce que Dieu veut. Bah, principe, ça ce sont des principes humains. Parce que Dieu attend son serviteur dans des grandes dimensions. Il a dit, voici mon serviteur, il prospérera, Amen. Il montera, il s'élèvera, il montera bien haut. Amen. Donc c'est là où Dieu attend dans les auteurs. Alors, j'ai commencé à suivre et je vis, quand je vis ces choses que Dieu fait avec Papa Léopold, je dis, mais ça, c'est extraordinaire. Je suis dans la même âme. L'apôtre Pefa, qui était resté notre Atikalaki Papa Nabisso, je me soumettais sous l'onction par Papa Idine. C'est là où j'ai donné, payé mes dîmes. Je me soumettais à cela à chaque fois. C'est prié pour moi. Quand il est parti, maman vit que je me soumettais là. Mais lorsque je vis maintenant, papa, l'opo, je dis, mais les choses que moi je cherchais depuis dans mon pays, c'est ça que je vis. Alors directement, je suis allé comme les mages. Quand les mages ont vu l'étoile, Je dois aller vers l'arrière expliquer. Quand ils ont vu l'étoile, ce n'était pas la seule étoile. Mais quand ils ont vu l'étoile du Seigneur, différence c'est Zakanini, papa Yebisanga. Ils ont lu l'étoile là. Parce que étoile, ils ont lu, ils les ont, parce que dans l'étoile contient les informations. Yes. Au moins nous aux Abouya. Amen. L'étoile nous donne les informations. Amen. Ils ont les informations, faut qu'on t'en raconte. Amen. Ils ont les informations, faut en arabe à tout miner. Amen. Ils ont les informations, faut m'attaquer, faut ça makamouya grave. Amen. Ils ont les informations, ils sont en quatre. Alors quand ils ont lu cette étoile, c'est par rapport aux informations. Nakati papa Yebisanga. Na kati ya vile wana ngali kambo traumatizanga nga moni bibi zo traumatizenga na kati ya vile wana jo wana bana babota make belete mais comment ils ont compris qu'il y a un enfant oh ya bota babayi bandenge nini c'est ce que je te parle ezali kambo étoile l'étoile la révélation ils ont reçu la révélation de cette étoile là alléluia quand ils ont vu cette étoile là ils ont étudié l'étoile ils ont dit cette étoile est différente ils ont vu les informations ils ont compris c'est l'étoile d'un roi d'un sauveur qui vient de naître on doit aller s'incliner. Babandi marche. Il y a Moussika. Pour balander ton lobaye comme on a un parce que quand ils ont dit, nous avons vu son étoile apparaître, nous sommes venus pour l'adorer. Okay. Nous avons vu son étoile, tu es quoi d'or? Parce que étoile, l'eau, 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 l'eau. Parce que l'étoile là, c'était l'enfant. Parce que Dieu parle aussi, Dieu utilise les signes. Ok. Et à chaque personne, on peut prendre ton signe, c'est toi. C'est pourquoi quand on va te combattre, il y a des gens, des sorciers, bah, on va combattre, et on va aïe, je vois, bon, physiquement, t'es. Mais par ton étoile, ils peuvent te combattre. Il y a la bombe, 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 prophète, tant que. Quand je vis cette étoile-là, moi aussi je dis non. Je peux te dire quelque chose qui va peut-être choquer le monde. Naza étranger, t'es na histoire ou bien na évangile y a beaucoup la mission. Je respecte tous les papas. Je non, moi je suis le juge de tous les papas. Tu vas me voir, je parle bien, je prends des conseils avec tout le monde. Mais chacun a des dimensions. C'est pourquoi je dis que nous devons voir les choses dans les dimensions que Dieu veut. Amen. Jazakimou, qui était le gens là, Nani Baptiste. Je peux te dire quelque chose. Tu sais que sur le point de naissance naturelle, il y a classement famille. Jean le Baptiste était beaucoup plus considérable que Jésus. Pourquoi? Oui, parce que Jean connaissait son père. Son père, sa maman, bah, il est sacrificateur. Et il entrait dans le. What do you call it? Il entrait dans.
dans les services de Dieu, selon son tout, pour aller offrir des sacrifices. Et là-bas, ce n'était pas n'importe qui, parce que les gens mouraient. Vous comprenez? Très bien. Dans le lieu très... il est entré pour offrir les services. Et quand son tour était arrivé, c'est le temps où il a reçu la révélation de Jean-Baptiste. Donc, on le respectait parce que bah, papa n'a pas bah, sacrificateur, bah, bah, mais maman est. Bah, il était vierge, mon bouquin. Mm. Tata n'a pas. Bah, il était. Moussa, il m'a. Ma baïa. Mm. Jean là était capable, bah, bah, soda, bah, yépa, nahi, bino, bah, race de vipères. Mm. On les craignait. Mm. Je vais dire quelque chose. Mm. On les craignait. Mm. Les gens avaient peur de Jean parce que Jean là n'habitait pas avec les gens. Il restait dans les montagnes. Azolia miel na ma banque. Il n'était pas avec les gens. C'était un homme mystérieux. Mmh. Et les gens avaient peur de lui. Maintenant, regarde, c'est cet homme-là, quand il voit Jésus venir, il a fait Yesu. Il a fait langage. Il a langage qui noir. Il a fait Yesu. Il a fait Yesu. Les agents. Oh. Mais oui. Ces gens. Jean a présenté. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ces gens qui le présentent. Il dit, il faut que j'ai du mini. Yamata. Jean ou Bazo respecté. C'est ce qu'on n'a pas la culture du sacerdoce dans notre pays. Awa Moutounio, c'est un danger. Awa Moutounio, c'est un danger. Les lois à lobby, ou baloté à lobby, aux yeux full, aux yeux internet. Et puis, les lois, il faut faire attention. N'a pas internet. Aujourd'hui, il y a des gens, Bazo, ça va full, ils collabent internet. Mais Nengo et Abisho, c'est à côté à Yesu, Yesu, Azali, Awa, au sala campagne, Nengo, les qui TikTok, les qui WhatsApp, au sali matraquage, les moli, moi, Nzamba, Bengabatu. Il faut respecter les gens. Amen. Il faut respecter le cran de l'onction. Il y a un monde qui a voiture à Kalabama, à Kalatsu, à exposer dans le musée, et ça a un apprité. Donc c'est trop. Parce que je ne sais pas si je suis un homme. Mais c'est pourquoi on est dans le dans des, beaucoup de désordres. Mm-hmm. C'est ça que moi je ne veux pas. Je veux dire, quand moi je vis des choses là que Dieu, je regarde le foule, je regarde ce que Dieu a fait avec Papa Dopo. Depuis ce jour, je dis, je n'ai plus besoin d'un mentor Yalibanda. Mm. Tous mes mentors, parce que là on peut avoir plusieurs maîtres. Ouais. J'ai dit, je n'ai plus besoin. Dans mon pays, il y en a. Il y a fierté. Na pas sur nous les pas voisins. Na lobi mais ma kamango. Ma kamango na Congo ezali. Siko na kolua libana nenge nini. Moto ma foute zo matakaka. Comment beaucoup ndi maté parce que les gens les regardent loin et batou ba yebité. C'est toi bazo taipe na musika bon bazo kolenyo sa mabeli gorodole. Li gorodoye asaka boyebie. Pour na bazaka te so esami na boka musuzu de bandimi. Bandimi. Na Congo bata bo bakoza te. Comment biloko wana batou bazo mona le pas batou yebie miracle te. Nga yo na zo sur na yo prophète John Percy je dis si les gens de kind de bazo tala nga prophète kilori so bala nga ba lobango. Moi j'ai prié pour une femme a fait 10 ans dans le mariage avec son mari babo tarate. Soba ke no pita babi bo ano babo tarate na bonde la po na babo Yesu témoin bazo na nda pou ok li bazo kataye abi a passe a tabe makila abi pe dire la ba sa che bazo abo tangembo oh ba je te dis la vérité ngembo ba ne ngembo chauve souris bo avant na yo abi matrice je te dis 10 ans robo tarate les jours na lobia ah thank you Jesus. Je peux dire? Vas-y. Je peux? Vas-y, papa. Mon pigeon, le roi Azandek. Il parle à ma papoute. Soit Azoli à ma graine. Bah, au col à aigle. C'est comme encore. Si le pigeon se comporte, tu peux juste donner à ma papo. Tu as dit, 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 mais ceux qui aiglent nous soient hier moulin azolé makela parce que nous sommes nature nabiso et à ma caméra nabiso salak n'engue moko aigle ko kamba pe pigeon ni yoli akaba graine bo n'engue moko pe nani pigeon ko kamba na yoli akaba ni n'engue les a par nature nous autocolle na surnaturel na miracle nzambe authentique mais après mouton abota qui n'est ton abota abota te comment auto moni ba miracle nzambe quand on voit des choses on sait que Dieu. On est chrétien, on a habitué à la caméra, on a sauté, on a sauté sans un nom. Moi, je cherche la présence d'Adonai. Parce que quand Adonai est là, vous allez sentir qu'Adonai est là. Avec Adonai, la présence d'Adonai, on ne truque pas avec la présence d'Adonai.
Et si vous savez ça, bon mon nom. Na kata. Na tikala ba mento ba tu me souhaite ba ko sona ba normal mais je puisse être enthousiaste parce que je dis que oh voilà, il y en a dans mon pays. Mais ndeti toujours si. Si ko yo, tu na moni nene wana, na yé je me suis soumis. C'est pourquoi vous voyez moi je suis très fier de dire que je suis un fils de l'apôtre Léopold Mutombo. C'est mon père et le papa de plusieurs personnes et de plusieurs fils. Nakata mboka wo. Bato bezala bato batia matia bazo landai batia matia naye. Parce que les gens ne disent pas la vérité. Alors nous avons passé ma caminée. Je me suis soumis là. Maintenant, quand je vis, au vu de tout ce que Dieu fait, je dis c'est une fierté pour nous. Et avec les émissions, de manière que ça les mains. Il y a prophète. Et puis, prophète, là, ici, intentionnellement, il y a une intention, il y a un bon apôtre, il y a un bon apôtre. Et ça, quand il y a un journaliste, il y a un commentaire, il y a un timbre, il y a un poussé, il y a un bon apôtre. Il y a un photo, il y a un bon apôtre. Oui. C'est pour ça. Il y a un musicien, il y a un bon apôtre. Il y a un bon apôtre. Il faut biso mon retopé ça et valeur voilà tout là ça la bamboki parce que la bamboka mususu baza na porte Léopold la bamboki ngwala batera hey. Makasi makasi ndé moni motivation na ngwe salari que le quoi la biki bon dans mon papa quand on dans na papa lesi ou azali ya na nga makasi o te bani mingi na yebi que yaya wana so nga ile ki na zolo bayo kanga apesa nga lito ndé na bino yaya bino ko izokende bien te ponara. C'est pour cela que nous avons porté un fardeau dans notre église. Pour nous battre, parce que l'image. Parce qu'il y a des gens qui ont dit pourquoi ils ont dit que l'apôtre Léopold Mutombo a une dimension où nous avons mis en place, comme on est côte à côte avec le prophète Denis Lessi. Par rapport à ce qui est belé, qui met. C'est un homme de Dieu. À qui tu penses pour yo calé qui na et loko ngosa li penza pas vrai. C'est un homme de Dieu, il te presse la gloire. Et quand vous parlez avec ces papas là, vous allez comprendre azaba principe ya sacerdoce ya makasi. Il respecte tout celui azam Moussa l'anzam. Azana ngshumuke, azana ngshumune ni azana nan, il respecte et il parle pas mal des gens. Ah OK. Ah, c'est pourquoi quand je fais comprendre makambo ndenge les okende na dimanche aller à bienté. Le prophète m'a écouté, papa Yokinga, et sali que Nayakoya pour servir de liaison. Et je te dis, les jours-là, c'était le jour où j'ai senti une grande liberté, une grande délivrance même à moi et de l'église même. Parce qu'après Kosolo-là, quand on a prié, je vis comment est-ce qu'on était tous fondus en larmes. On a compris qu'on a intérêt à protéger l'œuvre de Dieu. Et c'était vraiment une grande bénédiction. OK. C'est une grande bénédiction. Donc, Batouba, maintenant, on a polémique. Ce n'est pas. Ou bien, au prophète de Nélessi, au Bangui, au Kéko Similé, au Kéko Lukosala, tout ça, papa. Non, ce n'est pas ça. Ou bien, papa, au Bangui, pour le prophète de Nélessi, non, ce n'est pas ça. Moi, tant que moi, Nanzame, Moussa, Nanzame, ça valait la peine de protéger. C'est pas tout le monde que nous avons vivant, moi, de ma vivant évangile. Et le Seigneur a fait qu'il a mis les paroles de sagesse en moi. Quand je parlais de l'autre côté, ah, j'étais facile à écouter. Je parle de l'autre côté. Alors, pour qu'elles aient vraiment pris en considération, c'est la raison pour laquelle. Je suis là. Et Dieu a fait grâce, tout s'est bien passé. Moi, je dis gloire à Dieu. Ok. Ouais. Merci beaucoup. Et on a le bac qui vraiment. Est-ce que, à savoir d'orateur, il y a quelqu'un qui a dit si, mon toit apporte à Kimi qui toko, papa, quand tu peux na facilité, yo qui le qui naie, quand tu peux ayo qui. Il s'est payé à notre maman, il a vu nous, hein? Nanya. Pour faire des nilés ici. Ah, c'est une histoire. Pour le bac, elle ni joie ça. Elle est messeke. Elle est messeke. Jojo, le mabé, tout si, je dois aller. Passe. Mais bon, mais tu sais quand même, hein? Nanya. Prophète Denis. Ben, ça, je veux dire quelque chose. C'est un homme qui a un bon cœur. Bon, toi, Ebi. Ah, ça, vous êtes malade. Il y a un mot à malade, puis. Il est franc, s'il si n'est pas condamné, il est mécontent. Mais tant que tu as la porte, tu as la porte, tu as la porte. On sait que tu as la porte. Est-ce que tu as la porte? Est-ce que tu as la porte? Je ne sais pas qu'est-ce que les gens prennent. Hein? Est-ce que tu as la porte? Les gens ont beaucoup critiqué. Moi, voilà comment j'ai défini le critique. Critique, ce n'est pas mauvais. Parce que tu es en train de porter un jugement, c'est quelque chose. Mais critique, il faut
avec elles sont, tu es sorti avec quoi après? Parce que tout ce que le prophète dit des Amabeta, non, tout ce qu'il y a des Amabeta, ils ont ma cambe, ma casse, ils ont la conseil à bien, ils ont la maille et la casse. C'est un homme, c'est pas un homme de la rue. Non, c'est pas un homme de la rue. C'est un papa, il est posé, il est calme. Ok. Merci beaucoup. On parle même là où il y a des gens qui ont les sang chaud. Oui, oui. Comme moi. Hein? T'étais là. Voilà, t'étais là. Maman. T'étais là, ma kiyo, ma gambo, vous t'étais là. Mais la colipé, hein? Kaimi était basé en 6 ans, donc il faut respecter. Merci beaucoup, prophète John Pumbul. En tout cas, merci. Batouba Kanisa Kengana, yoko Luko Kaka, pour toi, ma gambo, Zali. Ils doivent comprendre que. C'est avec. D'ailleurs, moi, je vais dire. Ça, je dois te jeter le fleur. Merci. Pour te flatter. J'aime bien ta personnalité. Merci. Et puis, ça fait très longtemps. On a noté la bénédiction et tout. Et qu'on est à contact. Mais j'aime la façon dont tu te respectes. Comment tu te tiens. Comparément à. Pas pour critiquer les gens, mais comme je ne vais pas dire, je vis au Zalaba, apprécié, bah non, depuis très longtemps, il y a au moins 3 ans, on a eu dans un moment, on a l'aimé toujours bien, pas de bêtises, pas ma camusou, pas ma terre, tu fais ton travail, donc c'est pas à cause de ça. D'ailleurs, c'était même pas programmé, il y avait programmé, tu sais, qui, en passant, alors, le coup là, Bino Zalaba, toujours prêt. Après papa, maman moi de la coffre. Voilà. Moi dès qu'il t'a moutouka. Donc beaucoup faka maman quoi. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour mon azab béni ce soir. Et ça n'a bien. C'est vrai. Na kangi union. Amen. Et on a sur une avant d'arabo émission na sala royo. Na raya mo na tiango. Na taliango. Na yoki na oh. Ngam na bim sama kambo mon sex ba on a bien ça mon maille. Yali kabo. En tout cas, merci beaucoup. Bon voyage. Merci beaucoup. Ah oui, Nisa Poli, pour Nayo. À chaque fois, vous allez penser à Nabiso. Merci. Na lobby Penza. Bananza Mbaza Beni. Bato Bazela qui Penza. Apôtre Léopold Moutombo. Na prophète Denis Lessi. Bakende Bokanza qui était. Apôtre Léopold Aza Penda Vra adorateur. Aza Mwana Nzambi. Wana papa. Yaza papa. Aza papa. Aza papa. Aza papa. Aza na mote mawana. Pourquoi Miso Pende Mouna a relingata koko ma peste moutou azate? Mais il y a Penza mi. Andimi pe photo, andimi pe caméra, andimi nyonso. Bon lepe, t'as pas besoin de liété, t'as problème te, mais. Les quelqu'un qui vraiment merci beaucoup bah le ministère a mis balingana ma casse la petite nombote bah la arche de Noé bah de quoi AON église combo si famille sous centre international fort audacieuse à qui les a ouapi tout ça sur avenue Mongata de 67 direction Kianza nous sommes en Gaba non loin de Superlemba. Ah ok voilà merci beaucoup hein bon monde si vous en avez besoin vous bengi biso ton peso numéro on est bon tous au bâton tous au sein de monsieur belé pour comprendre merci Jojo Nzama Pambola. Bye bye. Ba mama ya poto pe ya Kishasa, ba vrai chéri, ba oyo balingaka bonzenga ya nzoto na bango, pe ya suki na bango, esika ezaka kase moko na Kishasa. Salon l'oiseau d'or chez Mama Christelle. Awa soki papa omemi mama, ba bongisiye suki, ba salye manzaka, ba latisiye, tango akobima, abongwani angelou. Na salon l'oiseau d'or, okokuta ba servisi. Yele lokola, parfumerie, vente ya ba produits cosmétiques, vente ya ba perruque, vente ya ba produits ya suki ya solo solo, pe ba accessoires ya beauté, et bongo pour la bino ba marié, to bosani bino te, location ya voile, pe kolati sa ba marié, kaka nenge to mola kana ba mikili ya poto. Make-up koutou, kolobatin, pe ba service moussousou e belé belé. Pona kokoma na salon l'oiseau d'or, adresse Ezaka Kamoko, avenue Sergent Moke, numéro 16, référence à 109. Na salon l'oiseau d'or chez Mama Christelle Sokyo Koti Kao Okobima Ok. Nalinga kamo susu te utana eba verite. Salon Frank, Salon Frank, Salon Frank le meilleur. Salon Frank, Salon Frank, Salon Frank de Bruxelles.
Je fais appel à vous le grand homme, le grand dame, ainsi que les enfants. Venez visiter le spécialiste de la coiffure, Salon Franck, le meilleur de Bruxelles. 30 ans d'expérience. Chez nous, c'est le professionnalisme, la classe et la qualité. Salon Franck, salon yabanapé, abakolotoué. Salon Franck, Salon Franck, Salon Franck, le meilleur. Salon Franck, Salon Franck, Salon Franck de Bruxelles. Mwe na linga kamo susu te utana eba verite. Na linga kamo susu te utana eba verite. Salon Franck, Salon Franck, Salon Franck, le meilleur. Salon Franck, Salon Franck, Salon Franck de Bruxelles. Avec cette carte de fidélité, vous avez droit à une coupe gratuite. Salon Franck, le meilleur de Bruxelles. Chez nous, c'est le professionnalisme, la qualité et la classe. Salon Franck, Salon Franck, Salon Franck de Bruxelles.